Vous pensez que Fritz Lang a été ministre de la Culture ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous. En effet, et merci pour votre fidélité. Vous le savez peut-être, il y a quelques jours, Grégoire et moi-même avons pris des chemins différents pour rejoindre Paris à partir de Cannes. Pour une raison encore indéterminée, d'après nos sources, Grégoire se serait égaré dans la jungle brésilienne. Il y aurait croisé une équipe de narcotrafiquants et aurait succombé à un échange de coups de feu. Il nous laisse le souvenir d'un petit bonhomme jovial. Une cérémonie sera célébrée aujourd'hui en présence de ses amis, ses collègues et sa grand-mère. En attendant, nous vous proposons ce petit film hommage. Aujourd'hui, les bronzés font du ski. Saviez-vous que contrairement au scénario des bronzés, celui des bronzés font du ski n'est pas l'adaptation d'une pièce de théâtre, mais une œuvre originale écrite pour le cinéma ? Que plusieurs acteurs réapparaissent dans le second volet dans des rôles différents, Guy Laporte, qui était le chef du village et devient l'amant de la femme de Popeye, Madame Schmidt, qui était l'une des maîtresses de Popeye dans le premier, la femme de Popeye, qui était l'un des râteaux de Jean-Claude Duss dans le premier épisode, ou encore l'acteur qui est dans la chambre 205 avant que Gérard Jugnot et Josiane Balasco n'arrivent, et que l'on retrouve dans le premier en train d'essayer à plusieurs reprises de faire du ski nautique. Saviez-vous également que la fameuse ritournelle chantonnée par Michel Blanc sur le télésiège « Quand te reverrai-je » aurait dû être au départ la célèbre chanson « Étoile des neiges » mais que les ayants droit refusèrent son utilisation dans le film. Que l'on retrouve la recette du crapaud dans l'eau de vie dans la version théâtre du Père Noël est une ordure. Que Dominique Lavanant, logé à l'écart, ne se sentit pas intégré à l'équipe et menaça de rentrer à Paris, ou encore que Patrice Lecomte et Noël Boisson coupèrent 40 minutes de film dont une longue partie durant laquelle les personnages étaient perdus dans la montagne et commençait à songer au cannibalisme pour survivre. Et maintenant l'anecdote. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais un troisième épisode des Bronzés autour d'un voyage à New York fut envisagé après le succès des Bronzés font du ski. Mais l'équipe y renonça pour se consacrer finalement au Père Noël est une ordure. Patrice Lecomte ne fut pas invité à mettre en scène ce nouveau projet car il eut une petite mésentente avec une partie de l'équipe du Splendide après la publication dans la presse d'un article dans lequel le cinéaste aurait déclaré « Je vaux mieux que les Bronzés font du ski ». Il reconnaît pourtant aujourd'hui devoir une grande partie de sa carrière à la troupe de comédiens et finalement tout est bien qui finit bien puisqu'en 2006 est sorti le troisième volet de leurs aventures avec Patrice Lecomte derrière la caméra. Merci qui ? Et pour conclure, voilà, je voudrais dire que Grégoire, pour moi, c'était pas juste un collègue. C'était pas juste un collègue. Donc voilà, j'ai préparé une petite collation pour tout le monde si vous voulez grignoter un petit quelque chose. Et cette petite boîte, voilà, si vous voulez participer aussi aux frais de la cérémonie et aider sa. Il t'aimait beaucoup, tu sais. Et soutenir sa grand-mère, qui t'aimait vraiment beaucoup. Soutenir sa grand-mère qui va se retrouver toute seule maintenant, voilà. Donc. T'as rien mis, toi. En plus, il t'aimait. Hein. En secret, mais. Non, je peux te le dire. Il t'aimait très fort. Et c'est combien les Maldives ? C'est un 5 étoiles, hein. Ok, bon, bah alors 2 semaines en all inclusive. Et puis je vous prendrai peut-être une ou deux excursions. L'argent n'est pas un problème. J'attends vos documents. Merci, madame. Merci, Grégoire.